Le dessin animé est parfois un milieu difficile. Compétition en provenance de l'Asie, longues heures de travail. Comme plusieurs dans son domaine, Zachary Leblanc-Desrochers en sait quelque chose. Oui, moi, je suis originaire de Sherbrooke, puis je voulais pas trop me déplacer, puis il m'avait pogné un trip de partir à Montréal, puis finalement, puis ça n'a jamais marché. J'ai passé peut-être un an dans des restaurants avant que je débouche ma première job dans jeux vidéo, puis ça l'a fermé 2 semaines après mon stage. C'est la première vraie job, en fait, que je me suis trouvé dans le domaine. À Montréal, il n'y avait rien. Zachary est maintenant de retour à Sherbrooke. Il a été embauché par le tout premier studio d'animation 2D en Estrie. Le nouveau nom du studio qui est Caféine Animation Studio. Le studio Caféine a été mis en place par l'entreprise montréalaise Image Entertainment, qui figure parmi les 10 plus importantes maisons de production d'animation au pays. Sherbrooke, pour la simple et bonne raison que j'ai fini mes études universitaires à Sherbrooke, que je connaissais très, très bien. Le côté économique est en pleine effervescence ici dans la région. Environ 25 emplois ont été créés, dont la plupart sont des animateurs. Ça va augmenter dans un an et demi maximum. On s'attend à avoir au moins le double et sinon le triple d'ici 3 à 5 ans. Leur premier projet est d'animer la deuxième série de Walter et Tandori. Le premier épisode est déjà terminé. C'est super le fun, c'est vraiment dur, les horaires sont tough. Je te dirais que j'ai eu 2 fins de semaine de libre tout l'été. c'est le fun là, on est dans le domaine, on a le pied dans la porte, puis... On s'amuse malgré tout. Plusieurs des animateurs ont reçu leur formation à Sherbrooke, à l'Institut des Graphes. On a eu la visite des administrateurs du studio Caféine avant de s'installer à Sherbrooke. Ils voulaient au moins avoir une garantie de des Graphes que nous allons leur fournir des gradués en 2D. On a même altéré depuis un an nos cours pour fitter avec les besoins de ce studio-là. Donc, on a monté de beaucoup la qualité de l'animation. C'est vraiment du Disney à cette heure. On a beaucoup d'anciens étudiants qui sont engagés, puis il va en avoir d'autres. Le dessin animé qui est produit à Sherbrooke, la deuxième série de Walter et Tandori, sera diffusé à la télévision de Radio-Canada à partir de janvier 2013. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.